Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée un petit peu spéciale. Vous l'aurez deviné, on est là pour l'anniversaire de Mickey qui fête ses 88 ans aujourd'hui. En tant que grande fan, je ne pouvais pas ne pas être là aujourd'hui, vous vous en doutez. Donc j'ai sorti tout l'attirail, j'ai même l'autocollant joyeux anniversaire Mickey. Et maintenant qu'on a vu le passage éclair de la Reine des Neiges, on attend la parade spéciale Noël. Hashtag péché mignon. On se promène, on va essayer de voir si on peut trouver Picsou. Et sinon, on va aller manger. Fais un petit coucou à la Picsou. Alors, on n'a pas fait la queue parce qu'on avait un peu la flemme, pour être très très honnête avec vous, la Disney Army. Et là, on va aller voir le temps d'attente pour Small World. Peut-être qu'on va faire une attraction avant d'aller manger finalement. Oh, regardez qui on croise sur la route. Hein? Ils peuvent pas nous faire des coucous, non? Non. Moi j'aime bien Monsieur Mouche. Monsieur Mouche! Monsieur Mouche! Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on mange au restaurant du studio, donc celui dans le
Je sais pas comment décrire ça en fait. Donc il est à l'intérieur des studios, à l'intérieur de la grande allée. J'y suis jamais allée, donc c'est l'occasion de tester. Et après on va faire Mickey le magicien, vu qu'apparemment il y a des animations spéciales pour l'anniversaire de Mickey. Il faut savoir que jusqu'à présent on n'a pas arrêté de chercher, on n'a absolument rien trouvé pour son anniversaire, donc c'est trop triste. Pas grand chose. Hein. Vous savez, il y a le tapis d'Aladin. Ah oui, j'ai jamais vu. Moi non plus. C'est parti pour Mickey et le magicien et on va retrouver mes copains les Toons. Dans la queue pour Mickey et le magicien et je suis en compagnie des Toons. C'est la compétition. Avec Monsieur Toon et le râleur qui porte bien son t-shirt. Parti pour Mickey et le magicien avant son anniversaire. Secrets within are beginning to bloom with a shimmer and a glimmer where they ought to bloom. Bibidi bobidi boo, ça la gagne la venue. Le petit casque bidou, mais le petit bébou, à tous les coups, c'est bibidi bobidi boo. Et vous les enfants, aujourd'hui est un jour bien spécial. Veuillez accueillir à nouveau notre ami le plus cher, Mickey Mouse. Réservez-lui un tonnerre d'applaudissements et avec nous, chantez-lui un joyeux anniversaire. Ladies and gentlemen, boys and girls, today is a truly special day. Please give a warm welcome to our most beloved Disney friend, Mickey Mouse, and sing along with us to wish him a very happy birthday. D'anniversaire que moi j'ai trouvé un moyen, hein, on va être franc. Vous avez Monsieur Toon qui chante. Joyeux anniversaire Mickey. En plus ils ont même pas dit Mickey. Oui, ils ont dit joyeux anniversaire to you. Bah non. Voilà, et donc là on va se faire une petite attraction avant de faire la préparade d'anniversaire en espérant que cette fois-ci elle sera cool parce que là franchement les animations pour Mickey, je suis un peu déçue. Hein. Très content de voir le nouveau Mickey tout à l'heure. Oui, ce sera à la préparable. Oui, ce sera le nouveau Mickey. Oh, trop bien, ben, on l'aura pas tout le temps, c'est pour ça qu'il faut le prendre en photo. Bah ouais, autant en profiter. Arrouh, 5 minutes seulement. Alors, Monsieur Toon, voilà, qui marche en mode Bossy oui, Notre-Dame. Donc, on a été au Harrington, j'ai acheté le Prince Laos, ce qui ne vous étonnera il pas du beau. Tout. Oui. Et là, on va aller faire un coucou à Mickey pour son anniversaire. Je suis bossu. Il a le même bonnet que moi. J'essaie de mettre en hauteur. Sérieux? Oui, regarde. Ah ouais. Il est parti en Californie. Ouais. Enfin, celui-là, il est de Walt Disney World. Ah, bon. Voilà. Donc, on va aller lui faire un coucou. Un petit joyeux de perchette. Ouais. Donc, à la base, on avait prévu d'aller avec Mickey Mouse avant la préparade. Mais comme vous pouvez le voir, il y a 70 minutes pour aller fêter l'anniversaire de Mickey. Donc, on va oublier. Et on va se mettre en route pour la préparade, histoire de repérer une bonne place. Et avec les Toons, ce qu'on va essayer de faire,
Attendez, je vous reprends en live. Voilà, avec ma face, c'est mieux quand même. Alors, donc, ce qu'on va essayer de faire, on va regarder la préparade et on va essayer de courir le plus vite possible pour essayer de voir Mickey parce que bah, ça ferme à 17h, vous comprenez. Mais on peut pas finir la journée sans avoir souhaité joyeux anniversaire à Mickey. C'est parti pour le vlog. Regarde le double vlog. Coucou. Il y a personne de mon côté. Le double vlog. Il y en a là. Le double vlog. Oh. On est des vrais youtubeurs. Mickey. C'était la parade. Voilà, la préparade. On est ravis. Qu'est-ce que t'en as pensé? Non. Regardez, la preuve. Ce n'est pas le nouveau Mickey. Voilà. Mais oui, non, ce n'est pas le nouveau. Quoi? Non. Vous avez pensé quoi de la préparade? Quelle préparade? Voilà, c'est exactement ça, on a attendu combien? Moi, pourquoi est-ce qu'on ne va Monsieur pas voir Mickey? Bonjour. Alors, comme vous pouvez le constater. Effectivement, je ne fallait même pas l'intégrer parce que lui, c'est un chieur. Je ne peux pas faire d'autres avec lui. Mais j'aime bien, moi. Ça me moi, fait un râleur. Ouais, c'est Colère qui vous parle. Alors, donc, elle ne peut pas faire Meet Mickey Mouse parce qu'il est 16h50, ça ferme à 17h. Et il y a 50 minutes, alors c'est pas possible. Mickey, il veut pas de moi. Du coup, Milou ne peut pas, ne dit non. Enfin, ne dit non, je l'interdis pas, hein, mais voilà. Tu parles beaucoup trop, hein. Ouais, moi, bah, du coup, chocolat showtime. J'aime trop l'ambiance. Un peu de Noël, un peu de Pinocchio. C'est bien, j'arrive, vous êtes tous en train de danser pour mon vlog, c'est merveilleux. J'étais en train d'imiter Gepetto et Pinocchio qui dansaient comme ça. C'est l'heure du petit chocolat. J'ai fait un Mickey. Et tout le monde essaye de me copier, enfin. C'était facile, il a même pas vu. Sauf que moi, c'est bien. Toujours copier, jamais égaler. Qu'est-ce Je viens de sortir de mon chocolat chaud. J'ai laissé un petit peu l'équipe de Toon Studio seule et de mon côté, donc je vais aller faire... quelques photos, profiter des boutiques et de l'ambiance. Et j'avais juste envie de vous montrer un petit peu le parc de nuit. Bon, alors c'est un peu fou, je m'excuse parce que la nuit c'est un peu compliqué avec mon appareil. Mais je trouve ça absolument magique et ça rajoute vraiment une sorte de dose de mystère au parc. Et j'adore. C'est absolument sublime ici. J'ai pas les mots. Ça rend pas du tout les couleurs dans vrai, mais c'est quand même sublime. Vous en pensez quoi la Disneyland? On va donc se mettre en place pour la cérémonie d'illumination du sapin que j'ai grave envie de voir. Petit pouce en l'air si pour vous aussi, l'ambiance de Noël, c'est carrément la plus magique de toutes. Voulez-vous bien nous aider à illuminer le sapin? Of course! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Happy Christmas! Happy holidays, everyone! What do you expect to do? Ha ha ha! De faire le sapin d'illumination de Noël et je suis en compagnie de Freddy qui m'a montré donc un des secrets du parc que je vais partager avec vous parce que c'est absolument incroyable. Donc on est à Frontierland dans la boutique qui se trouve à l'entrée et regardez, vous voyez dans la boutique, je sais pas si on voit très bien, mais il y a toute une machinerie d'ascenseur et en fait tout là-bas, et en fait donc là vous avez tout un détail et en fait c'est un ascenseur qui conduit entre guillemets à la mine. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu le détail et vous avez vraiment toute la machinerie, tout l'ascenseur et tout l'univers de Frontierland, et c'est là que les détails sont poussés de dingue et c'est un véritable ascenseur, sachez-le. Voilà, donc quand vous irez dans cette immense boutique, vous penserez à moi et à Freddy, et là vous avez la trappe qui est censée conduire en dessous et c'est absolument dingue. Bon bah j'ai un petit peu couru parce qu'on était en train de regarder les secrets du parc et c'était fascinant, donc on a cru que c'était Disney Dream, c'est en fait pas du tout, mais là on a une très bonne place et je vais vous filmer ça.
for months. Oh, wow. So this is what a holiday looks like. Let's go. I wish there was some sort of classical holiday play to capture the spirit of the season as interpreted by Tchaikovsky before my toys. All right, folks, let's go! We got a show to put on! Vous l'avez entendu? Opération décoration! Bullseye! Looking good! Spécial Noël, spécial anniversaire de Mickey. J'espère que ça vous aura plu de suivre mes aventures. Je m'excuse pour le spectacle Disney Dreams Fête Noël. Il y a une espèce de grande dinde là qui était avec ses oreilles de Mickey qui nous a gâché un petit peu la vue. J'espère que vous apprécierez quand même le spectacle. Alors j'ai passé une bonne journée. J'étais contente de voir mes copains de Toon Studio. Et d'ailleurs, si vous regardez ce vlog, les copains, je vous fais plein de bisous. J'étais super contente de vous voir. Je remercie aussi Freddy qui a pris le temps de montrer tout plein de secrets sur le parc. C'était absolument merveilleux. Et bah, si tu passes par là, bah, bisous à toi aussi. On va faire un petit récap de la journée. Pour ce qui était de l'anniversaire de Mickey, j'ai été très très déçue. Enfin, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux, parce que bon, c'est quand même Mickey quoi. Mais pour Noël, j'ai beaucoup aimé. Voilà ma Disney Army, c'est tout pour ce vlog. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Restez connectés, je vous aime, gros bisous, prenez soin de vous. Bisous, 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 et bientôt Noël. Abonnez-vous à la chaîne, nouveau, c'est froid. Abonne-toi.